continue sur notre cycle analysé. Un cours cette fois-ci sur des modèles de description structurelle, donc donner une idée de l'architecture de notre système. On va en voir un en particulier, celui qui est utilisé dans le programme de CPGE. Alors, on verra la notion de chaîne d'information. Quelles sont les fonctions de cette chaîne d'information? On va voir la chaîne d'énergie, les fonctions associées à cette chaîne d'énergie. Les objectifs donc sont de décrire les systèmes, les chaînes fonctionnelles pardon, d'un système qu'on appelle multiphysique, en particulier la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Donc voilà le diagramme typique de notre système multiphysique. Hein, donc on va essayer de décomposer. On a une chaîne d'information, hein, ici en bleu, et une chaîne d'énergie. Alors, la partie commande, c'est celle qui remplace finalement l'opérateur, le savoir-faire de l'opérateur qui sera traduit sous forme d'un programme dans la partie traitée. Je vais revenir rapidement dessus. Dans cette chaîne d'énergie, on va avoir une partie, dans cette chaîne d'information, pardon, on va avoir une partie ici, donc qui est tant en entrée qu'en sortie de cette chaîne d'information, on va avoir des informations qui sont utiles à la communication entre le système et l'opérateur. Alors, d'un point de vue un peu pompeux, on appelle ça souvent IHM, hein, interface homme-machine, moyen de communiquer entre l'homme et la machine. On peut avoir des choses plus ou moins complexes, donc ça va du bouton avec un voyant jusqu'au clavier tactile, les interfaces qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes, avec cependant la nécessité de rester simple, hein, et d'éviter, avec tout ce que nous permet la technologie, et on a assisté à une augmentation des fonctionnalités mises à disposition des opérateurs. Et c'est souvent contre-productif, hein. Donc, il faut rester simple dans la définition de ces IHM. Et des fois, quelques boutons, quelques voyants font très, très bien le boulot, hein. Donc, il ne faut pas toujours chercher à complexifier les choses. Dans notre donc, chaîne d'information qu'on va traiter, on va voir les différentes fonctions qui se trouvent en dessous, hein. Donc, on a la fonction acquérir. Hein, qui est la première, donc celle qui va permettre de prélever des informations à l'aide de capteurs. Hein. Donc la fonction acquérir se trouve ici, en tête de chaîne. On verra donc en cours, puisque finalement la description de cette chaîne structurelle est un élément qui nous emmène tout au long du cours de SI. Hein. Donc dans la fonction acquérir, on verra tout ce qui est capteur, transduction, conduction du signal et puis conversion analogique numérique, hein, par exemple. À voir qu'aujourd'hui, les capteurs permettent de prélever quasiment tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Il n'y a plus vraiment de limites et les coûts des capteurs ont énormément baissé. Donc on est maintenant capable de mesurer et d'acquérir énormément d'informations. Le capteur, donc, dans sa définition, hein, c'est quelque chose qui transforme une information physique en une information codée, compréhensible par la fonction traitée. Hein. On voit bien qu'ici, on a une interface entre les informations, ben, soit du système, son état, hein, on va prélever ici ce qui se passe sur notre système au sens large, hein, et on va rajouter ça donc, dans notre information acquérir, envoyer ça sur la partie traitée. Hein, là, ici, je vous rappelle que c'est la petite partie intelligence de notre système. Et on va y rajouter donc, des informations issues ben, de l'environnement et des commandes de l'opérateur. La partie traitée, c'est le cœur un petit peu du système hein, qu'on verra aussi avec différentes technologies qui permettent de traiter ces informations, qui vont du système séquentiel câblé extrêmement simple à des systèmes d'automates ou microcontrôleurs, pardon, qui sont extrêmement puissants, voilà, en fonction du besoin. Globalement, toutes les actions à réaliser par la chaîne d'énergie à partir des informations sont faites par la fonction acquérir. Hein. Ensuite,
Une fois que les informations sont traitées, il va falloir les communiquer, alors soit à l'opérateur pour le renseigner sur l'état du système, soit en termes de pilotage de la chaîne d'énergie, et ce pilotage intervient plus particulièrement au niveau de la fonction distribuée. Hein? C'est aussi la fonction qui peut donc assurer l'interfaçage avec d'autres systèmes communicants, évidemment. Alors, la partie opérative, c'est la partie ici hein, qui nous permet donc d'être la chaîne d'énergie. Hein, donc c'est là qu'on va traiter la matière d'œuvre finalement hein, pour avoir la valeur ajoutée. Donc on va avoir dans cette chaîne là différents éléments qu'on va regarder rapidement ensemble. Alors on a déjà une partie alimentée, hein, c'est celle qui fournit au système l'énergie électrique, hein, pneumatique ou hydraulique dont il a besoin pour fonctionner. Alors où commence la chaîne alimentée? Où est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'on commence à la prise de courant? Est-ce qu'on va jusqu'au réseau d'alimentation? Qu'est-ce qu'on va étudier? Est-ce qu'on met la batterie? Est-ce qu'on ne met pas la batterie? Est-ce qu'on met le compresseur d'air? Est-ce qu'on met la pompe hydraulique? Alors tout ça, c'est un petit peu délicat. Dans certains cas, on va intégrer la batterie parce que le système est considéré comme autonome, donc il a une gestion de la batterie. Dans d'autres cas, on dira que non, finalement, la batterie, c'est un élément extérieur qui apporte de l'énergie et on ne le prend pas en compte dans le système. Hein. Par exemple, y compris ben, pour l'air comprimé, hein, où on peut considérer que ça fait partie du système ou que c'est extérieur au système. Voilà. Encore une fois, on n'est pas sur le modèle unique et qui s'adapte à tous les systèmes, on est sur un modèle qui a une grande capacité d'adaptation sur plein de systèmes, mais qui ne permet pas de rendre compte de tout ce que le cerveau humain peut inventer finalement. Et donc, il s'agit de mettre en forme, et c'est principalement à ça qu'on va s'intéresser, hein, mettre en forme l'énergie externe en une énergie compatible pour aller sur l'élément suivant qui est la partie distribuer l'énergie. Alors, distribuer l'énergie, on pourrait dire moduler avec différentes façons de moduler. On peut moduler en tout ou rien, c'est-à-dire on arrête et on met en marche à fond, hein, donc typiquement contacteur, distributeur, des choses comme ça. Ou on peut moduler avec une gradation de la puissance, c'est-à-dire avec quelque chose de plus doux. Et c'est à ce moment-là que nos systèmes deviennent intéressants parce qu'on va avoir des régulations, des chaînes d'asservissement, des choses comme ça pour doser finement ce qu'on va envoyer à l'avant de notre chaîne. Hein, donc, on a la distribution tore, typiquement relais électromagnétique ou contacteur, hein, et on a une distribution par modulation d'énergie, et on verra en cours qu'on a ben, ici tout ce qui est gradateur, hasheur, etc. Donc, ça sera une partie très intéressante de notre cours. La partie convertir donc va récupérer l'énergie et la transformer sous forme généralement d'énergie mécanique puisqu'on a un système qui agit mécaniquement, hein, mais pas uniquement. On peut imaginer des systèmes qui produisent de la chaleur, des choses comme ça, hein, en termes d'énergie utile. Et donc on a dans tous les cas ben, une conversion hein, de notre énergie d'entrée ici en énergie utile. Bien sûr, des fois la chaîne peut être extrêmement simple, hein. Et donc, on va avoir un actionneur. C'est l'actionneur qui est le cœur de la conversion, hein, qui va convertir l'énergie disponible en énergie nécessaire au système. Alors, en exemple, moteur au sens large, même d'ailleurs pas uniquement moteur électrique, moteur pneumatique, moteur hydraulique, moteur électrique, et puis vérin hydraulique, pneumatique, résistance chauffante, etc. Tout ce qui va nous permettre de produire les effets désirés. On peut noter qu'un préactionneur, c'est un composant qui autorise ou non le passage de l'énergie. Donc, c'est un composant qui est en amont de l'actionneur et qui permet de le commander finalement en tout ou rien. Donc, un interrupteur, un relais, distributeur, hydraulique, etc. La fonction transmettre sera le support du cours de cinématique, hein. Donc on a une énergie par exemple mécanique et on va devoir cette fois-ci transformer des mouvements, transformer certaines actions, un déplacement pour obtenir ce que le cahier des charges nous demande pour l'action sur la matière d'œuvre. Et donc là on a tous les mécanismes qui seront étudiés et donc on va avoir
typiquement des transmetteurs de mouvement hein, qui adaptent l'énergie, des réducteurs, système vis-écrou, système à 4 barres, etc., etc. Et on va terminer donc l'analyse de ces différentes chaînes, de ces deux chaînes, par la fonction agir. Donc ici, on agit sur la matière neuve, c'est le cahier des charges de notre système qui nous dit ce qu'on doit faire, hein, et on va agir avec des effecteurs qui permettent d'agir sur la matière neuve pour produire sa valeur ajoutée. Et donc là, on fera en particulier le cours de statique, hein, puisque c'est généralement ici qu'on a des actions mécaniques, hein, pour effectivement produire la valeur ajoutée. Donc vous le voyez, notre chaîne d'énergie, hein, on a des flèches un petit peu partout. Alors on a des flèches qui sont vertes ici, des flèches qui sont rouges. On a donc des flux de données, plutôt en vert, hein, et des flux d'énergie, plutôt en rouge. Alors, dans la chaîne d'information, les liaisons entre chaque fonction, on les a représentées, donc ce sont les flux de données qui peuvent être de nature analogique. Donc ça, c'est l'objet du cours qui va suivre celui-là, hein, enfin des cours qui vont suivre, hein, puisqu'on verra aussi les informations logiques rapidement et les informations numériques. Hein, dans notre cours suivant, on verra ces petites parties-là, comment on caractérise ces différents signaux. Et dans les flux d'énergie, hein, on va avoir finalement différents types d'énergie associés à nos flux. Donc on peut avoir une énergie électrique, une énergie pneumatique, hein, une énergie mécanique, etc., etc., une énergie thermique, calorique, etc., etc., hein, sans limitation de toutes les énergies qu'on a vues dans l'introduction des cours sur l'énergie. Alors, on termine avec un petit exemple, hein, d'une chaîne extrêmement simple pour monter. Alors ici, on n'a pas représenté la chaîne d'information. Mais voilà, sur la partie puissance, on a une partie donc alimentée, hein, qui est en fait la prise secteur et le transformateur. Encore une fois, le transformateur est bien dans la fonction alimentée, la prise secteur est dans la fonction alimentée. Ensuite, on a une partie distribuée. Alors ici, extrêmement simple, hein, avec un contacteur. On a une fonction convertir, donc qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Ensuite, on a un système, pignon, chaîne, etc. Et on a l'ouverture, fermeture de la porte, hein, donc l'action sur la porte souhaitée. Hein. Et on a donc des énergies mécaniques, électriques ici, et des deux côtés de la fonction convertir, on a un changement d'énergie où on passe de l'énergie électrique à l'énergie mécanique. Voilà rapidement de présenter notre système multiphysique. La chaîne d'information n'a pas été représentée ici. Hein, ben, typiquement, elle aurait en entrée ben, les ordres d'ouverture-fermeture. Elle agit donc sur la fonction distribuée avec l'ordre d'ouverture ou de fermeture donc pour agir sur notre élément. Et on trouverait ben, des surveillances probablement du courant ici du moteur pour vérifier qu'il n'y a pas blocage, etc., à minima. Et peut-être aussi des systèmes de cellules photoélectriques qui renseigneraient le système pour éviter par exemple qu'on ferme la porte alors qu'un véhicule est toujours présent sous cette porte. Hein, voilà, rapidement présenter notre système. C'est des choses qui ont déjà été vues de toute manière en pré-bac. Hein. Voilà, le cours suivant s'attaquera à présenter donc l'ingénierie système d'une manière générale et SysML en particulier en termes d'outils. Et ensuite, on changera de cycle pour attaquer un petit peu la définition des différents signaux.